Herr Einstein, réveillez-vous. Je ne dors pas, je réfléchis, monsieur. Oh, oh, vraiment? Et à quoi réfléchissez-vous? Au secret du cosmos, tout simplement. Je vous suggère de vous remettre à la trigonométrie et de garder les yeux ouverts. Et redressez-vous! La loi des sinus et cosinus. C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus C. R d'un triangle. L'air est égal à C au carré sinus de A multiplié par sinus de B sur 2 sinus de C. Quelle est la solution de cette équation différentielle homogène du premier ordre? Herr Einstein, êtes-vous toujours trop occupé à méditer sur les secrets du cosmos pour résoudre cette équation? Oh non, monsieur, je l'ai déjà résolue. Sortez. Sur le champ. Pour quel motif, monsieur? Votre simple présence ici contrarie le respect que la classe me porte! Ce n'est pas une raison objective. Dehors! Le logarithme hyperbolique d'une constante multipliée par x est égal au logarithme hyperbolique de 1 plus v au carré. Et puisque v est égal à y sur x, cela nous donne la fonction finale x au carré plus y au carré moins cx cube égale 0. Et pour être parfaitement honnête, votre simple présence contrarie mon respect pour l'avenir des mathématiques prussiennes. Dehors.